Bonjour et bienvenue sur Code d'Habitude Gaming en compagnie de Gnorfant pour un nouvel épisode de Ishade. Dans l'épisode précédent, on avait commencé à rencontrer une étudiante qui nous avait proposé de nous filer un pass. Et on va continuer à faire le tour vite fait des gens, je vois d'ailleurs que c'est la nuit. Faudra se méfier et pas mourir. Et pas mourir du froid, ça serait bien. Pas mourir du froid, ça serait cool. Ah, je vous pétais de bougie, madame. Rien de personnel, hein. Trade here, trade there. So many folk scurrying about. Vous êtes une marchande? A trader? I suppose you could say that. A trader of sorts. Just take a look at all those shiny things coming in the markets. Sad day when my leg stopped working quite so well. Haven't made it down to the lower level in some time. Quel dommage. Say, I heard from some other folks that you're one of the most helpful people in Eastshade. Do you have time to help an old woman? Bien sûr. Excellent, excellent. You and I, young friend. I can tell we're gonna make a fine pair. Que voulez-vous que je fasse? Been a long time since I had a partner of any sort. Oh, I feel 10 years younger. I'm embarrassed to admit. I left a precious box up north, in the caverns. You know, the howling caverns on the Teef Moor Bluffs? Must have left it there. It was years ago, mind you, that I left it behind. Longer, actually. I was still a young girl. Spent time playing all over Eastshade. That box was one of my favorite possessions, passed down from my mother. De quel genre de bois s'agit-il? Some decoration, you know. Not too much. A rather simple wooden box, I think. Ok, je vous la retrouverai dès que je pourrai. Pas de soucis. On va voir ce qu'on peut lui bricoler, la dame. Oh, un atelier de peinture. Oh. Attends, il y a peut-être un truc à lui chouer, là. Oui, madame. Vas-y, madame. Tais-toi, wesh. Round there, then a straight line here. Yes, that looks better. D'accord. Désolé de t'avoir dérangé, hein. Ça c'est verrouillé. Ok. Ça c'est verrouillé. Ça c'est ouvert. Bonjour. Hop, je vous pique une bougie, hein. Rien de personnel, hein, rien de personnel. Je prends juste une bougie. Tout va bien. Alors, j'ai fait un rêve la nuit dernière. Je ne me souviens plus très bien des détails à mon réveil. Tout était différent. Je ne sais pas comment décrire la chose autrement, mais le soleil m'a semblé plus brillant et l'air plus doux, comme rehaussé par un parfum de rose. J'ai regardé par la fenêtre en ayant l'impression de tout découvrir pour la première fois. Je ne m'étais jamais rendu compte d'à quel point la ville peut sembler belle d'ici. J'ai tant d'idées, il y a tant de choses à propos desquelles j'ai envie d'écrire. J'ai rédigé 11 pages ce matin sur le salon de thé, dans le salon de thé, et des bonnes. Je viens de les relire, je dois partir au travail maintenant, mais j'ai vraiment hâte de pouvoir m'y remettre ce soir. Signé AP. Un indice, sans nul doute, un livre qu'on ne peut pas lire. Mais moult bougies à raquettes, hein. Je suis raquetteur de bougies, qui doit sans nul doute nous permettre de fabriquer de l'enduit, mais qu'on ne sait pas fabriquer, hélas, trois fois hélas. Et là, normalement, hop, je refais mon petit tour, c'est bon, on revient ici. Ouais, le jeu n'aime pas décidément que je le fasse tourner en high test, hein. Je vais quand même le rebaisser un petit peu, excusez-moi. J'avais testé pour le fun, je me suis dit, tiens, on reteste vite fait en...
Test. Mais non, il a pas voulu. Ça change beaucoup la qualité des fleurs. Excusez-moi, hein, j'ai l'impression que ça changeait la qualité des fleurs. Je veux voir un petit peu la vraie différence, voir un peu ce que je perds en fait quand je. Non, on perd un peu de détails au loin, mais pas l'impression qu'on dégrade grand-chose en fait. On perd surtout du champ de profondeur et on le sait, quelques ombres, voilà, quelques ombres qui dégagent, ce qui est pas trop gênant puisque on a déjà un cadre un peu sombre autour de notre personnage, donc je trouve ça pas plus mal qu'on ait. J'ai lu ça, hein. Oui. C'est sur le thé. Ok, donc là normalement on a écopé de nouvelles quêtes, hein. L'un des clients a déjà mangé la turbicule toxique. Il ne va pas bien, personne d'autre ne doit manger ces choses. J'ai récupéré l'un des tubercules, l'un des clients semble avoir mangé le tubercule. Sans trop embarrasser pour le confirmer. Un marchand de légumes de Nava a accidentellement vendu 4 tubercules. Ouais, donc il m'en manque un. J'ai un tubercule à aller chercher. Avant de retourner le voir, le sommet de Nava. Donc en un, j'ai besoin. Zara me fournira, oui, un passe si je l'aide à découvrir la vérité sur l'élixir de Melek. Donc l'élixir de vie. Zara, l'université m'a demandé de lui apporter l'un des élixirs de Melek qui travaille sur le marché. Go. Je sens que dès que je vais sortir, ça va mal tourner. Ok. Il y a pas, en fait, là en vrai, il y a quasi pas de raison qu'il fasse plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais bon. Si, ça fait plaisir au jeu. J'espère qu'il y a un intérieur pas trop loin. J'atteindrai pas. Genre, et les oursons là, ils sont tranquillous. Ah bah parce que ça compte pas comme un abri ça? Bah non. Les oursons ils peuvent rester dehors. Non mais bon, j'ai pas de vêtements chauds donc. J'ai pas de vêtements chauds, j'ai pas envie de claquer mes thés parce qu'en vrai ils tiennent pas longtemps. Donc bon, c'est pas grave, j'ai fait une sauvegarde donc on arrive à l'auberge et on est très bien, voilà. Il fait toujours nuit là, officiellement. Et il fait toujours nuit. Continuons à tester les horaires auxquels on peut se lever. Il est 20h, d'accord, oui, donc on arrive. On avait essayé 7h30, moi j'aimerais essayer 7h. Voilà, bah j'en profite pour vous dire un petit pouce bleu, un petit partage, hein, si vraiment vous avez trouvé, si vous trouvez ce jeu cool. Et bah pareil, dites-moi là pour le son, parce que je fais toujours des réglages encore et encore pour le son, pour essayer de tomber sur un truc convenable. Je pense que là c'est pas mal. Ça on l'avait lu. Je pense qu'on peut faire nos petites crochets sur le marché, aller voir le gars, le Melek. Élixir de vie. On est pas sur la partie du marché peut-être concernée. Hein. Continuons notre tour de la ville, ceci dit. Si je le croise, tant mieux. Si je le croise pas, tant pis. T'es heureux toi, gamin. Hein. Un peu trop. Hein. Oh, les gens comme ça qui nagent dans le bonheur, je me méfie. Ça a l'air de ressembler à un marché. Ça a l'air de vendre des toiles. Welcome to Yevany's Art Gallery and Supply. And before you ask, no, I'm not Yevany. And if you came to request a commission, unfortunately we can't help with that either. Yevany is totally backed up at the moment, but we do have painting supplies in stock. Yes, but we're full, as I said. Normally folks just need to write down what they want and Yevany will paint it for them. The best painter in Nava, that Yevany. She's been painting her whole life, and doing commissions for at least 40 years.
These days, she's spending more and more of her time on personal work. Good for her, I say. But still, we can't keep up with commissions like we used to, and demand is only growing. Peut-être pourrais-je vous aider? Oh, are you a painter? We've been looking for someone to help with the workload, but so far no one's been up to Yevany's standards. Do you have a portfolio I can look at? Montrer les peintures. Wow, your work is so detailed. You should show this to Yevany. She lives in the Common Tower. That's the big round building in the middle. You might just be the painter we need. She'll absolutely want to see at least 3 paintings, though. Anything I can help with? Need some supplies? Oui, consulter les... Ah oui, donc soit tu vends du tissu, en sachant que le tissu c'est clairement pas ce que je... Enfin, je pense. Faisons le plein. Ouais, je fais le plein là, on a pris quelques-unes. Voilà. Je sais qu'on peut trouver nos caissettes et qu'on aurait de quoi survivre sans. Mais étant donné qu'il nous suffit d'aller cliquer sur le mec des champs pour gagner de là-dessus. Juste aller au champ, cliquer sur un mec, et je gagne des sous. Ça me va, hein. Hello. Do you want to buy any spices? Like pepper or whatever this is? Oh yeah? She's pretty great, isn't she? We met at the bread stand where she works. I really like bread, so I'm over there a lot. C'est pas plutôt ces miches que tu veux voir? Bref. Yeah, I guess so. I don't get to go anywhere exciting very often. I have to travel to Lindo every week to get supplies. It's fine over there, but I wish I didn't have to go all the time. It's kind of like a creepy ghost town out there. Yeah, I mean, me and Evelina have been hanging out a lot. She's really great. Like the other day she made me a special loaf of bread in the shape of a flower. She's just so cool. There's this cool hot spring on the Salt Spring coast. I used to go there when I was a kid. It's all the way at the end of the beach, and no one really knows about it. It's a perfect place for picnics. Eh bien voilà. Yeah, maybe I'll take a trip out there soon. Well, I should probably get back to pretending to know about spices. Ok, très bien. Yeah, but... I knew it was a toxic tuber. It was pretty obvious. I already used it in a ritual, so you can't buy it back. Très bien. À bientôt. Alors, les tubules, toxiques, c'est plié. Ça, c'est cool. Ça, ça commençait à faire un petit cumul de quêtes, je commençais à plus savoir quoi en faire. Hein. Un chat. Arrêtez avec les chats. Personne n'aime les chats. C'est des sales races. Bonjour. Welcome, friend. Would you like a guaranteed long and healthy life? Tout à fait. My elixir will fortify you with the strength and vigor. Imagine a longer life for you and your loved ones, sourced from hot springs around the island. This water is guaranteed to give you an extra 20 years, at least. Some of my long-time customers are practically living history books. They've been drinking the elixir for years, and not a day have they aged. Les scientifiques confirment-elles vos affirmations? Of course! Just look at all these happy people. They love it, and it works perfectly for them. Each of my customers is a testament to the strength of this powerful elixir. So, what do you say? The water is sourced from the life-giving springs of Eastshade. Et ça, son élixir de vie, bon, je lui en prendrai un, hein, ça bouffe pas de pain. Salut. Je t'en ai mis un. Bonjour. Interested in a book? Ah, oui. Bien sûr. Poisson de la rivière Chute de Courant et thé classique. En les deux. Je sais pas où est-ce qu'on peut lire les livres qu'on a achetés, mais je pense que ça devient intéressant. Save your go.
Oh, je clique sur cette affiche. Oh, oh. D'accord, j'en saurais pas. Il n'y a pas de traduction française pour cette affiche. C'était très agréable. Bon. Il y a un forgeron, tout ça. Il y a plein de gens. Ça fait plein de quêtes. Attendez deux secondes, je vais rendre des quêtes. Je vais juste à remonter au-dessus là pour rendre quelques quêtes. Donc on va en plier deux déjà, ça va être bien. Là, si j'en plie deux, je suis content. Si j'en plie deux, au moins je serai content. Voilà, toi. Did you get them back? Oui, droïde, j'ai récupéré. J'en ai récupéré un maximum. Oh dear. I can't believe this. Oh, my days as a vendor are over. I just know it. Thank you for going out there. You can keep these tubers, just don't eat them. Robot man. Au revoir, robot. Donc, tubercule toxique, c'est plié. Très bien. Did you figure anything out? Oh god, did she tell you what she thinks of me? Elle pense beaucoup de bien de vous. Really? I'm dying. Tell me what she said. Where is her favorite place? La source chaude sur la côte de Bullsource. Ah, c'est ils nous mettent genre le petit piège, hein, genre tu peux dire Lindo quoi. Really? Wow. I'd heard about it, but I didn't think it was real. That sounds like the perfect magical place. Okay. I'm going to start making plans. Thank you so much. I'm so nervous. This is going to be amazing. Wish me luck. En France, pour souhaiter bonne chance aux gens, on leur dit merde. Je pense que c'est de bonne aloi. Type extrêmement agréable jusqu'au bout. Alors, faut dire, l'autre, entre elle qui est pas concentrée du tout à son boulot et l'autre qui fait la tête à une tête de 6 pieds de long et 10 de plus de large, parce qu'elle peut pas choper sa nounoursonne. Et oh, moi je suis client, je suis touriste, hein. Chez moi la paix. À un moment donné. Et j'ai galéré, j'ai payé un pont, une fortune pour pouvoir venir ici. Quand je suis arrivé, je me suis fait stopper par une oursonne au pont en plus. Histoire de bien faire du spécisme. Il m'a dit, non, mais vous êtes recommandé par personne, cassez-vous, on vous connaît pas. Cool, foutez-moi la paix avec vos conneries. Well, well, well. Your clothes are looking a little scrappy. Bet you're just about to freeze to death come nightfall. If you're ever looking to upgrade your attire, I'm sure I have just the thing. Ah, exactement, tout à fait, c'est le moment d'acheter 80 balles, d'aller bosser. Cool, je vais bosser. Ah non, je vais même pas voir les autres commerçants, là d'abord je vais bosser. D'ailleurs, je voulais voir dans mes objets, j'ai des livres. Poisson de la rivière, chute courant. D'accord, ouais, mais c'est un livre qu'on avait déjà lu ça du coup. Et l'autre livre, parce que j'ai deux livres. C'était classique ombragien. Ah, on vient d'apprendre quelque chose. Alors, le thé de Côte-Ivraie, parfois appelé thé du marcheur, le Côte-Ivraie redonne du baume au cœur et donne l'impression aux promeneurs que les kilomètres filent à toute vitesse. Donc on se déplace plus vite, très bien. Mélange lindovien, l'essence onirique et pittoresque caractéristique de sa ville portuaire d'origine semble en émaner. Ah oui, on a les... Ah d'accord, on a les compositions, donc j'ai appris à faire des thés. Et thé de terracine, un riche parfum boisé. Il y en a un des deux, je vois pas à quoi il sert. Enfin, il y en a un des trois, je vois pas à quoi il sert. Il faut que j'aille voir le mec. Votre pote, il est bugué. Faut que j'aille voir le cum. Attendez, lui, il vend de la picole. Il vend de la picole. What can I brew you up? Qu'est-ce que je peux vous préparer? Ah, c'est un marchand de thé. Oh. Ah non, ça c'est celui-là qui permet de tenir chaud. Oh. Je crois que j'en ai déjà. Oh, bref, vous avez compris. Vous avez saisi l'idée. Oui, j'en ai deux. J'en ai deux sur moi. Craftons quelques conneries. Voilà, exactement. Et par contre, pourquoi je fais toujours pas fabriquer l'été? Je viens de voir les recettes là. Mais le jeu. Le jeu il est pas cool, hein, des fois. Bon bah je leur souhaite d'avoir un bien meilleur budget pour leur prochain jeu les gars. Parce que ce jeu est vraiment cool. Achetez-le, hein. Vraiment je vous rappelle qu'il coûte que dalle ou presque rien.
J'avais donné le prix dans la première vidéo, je sais plus, enfin il coûte rien quoi, il coûte 20 balles. Il coûte 20 balles, allez. On arrondit, il coûte 20 balles. Ah, 20 balles pour un beau jeu comme ça, c'est rien. Travaillez. Fantastic. I'll show you what needs to be done. It's not too complicated. Howdy. Merci monsieur. Ah mais quand on travaille, on perd ? Non. Là, je vais vraiment perdre en fait de l'inspiration. Ah oui, les artistes, ça aime pas travailler. Ah, c'est trop bien. Ah, c'est bien trouvé. C'est du génie. C'est du génie. Non, excusez-moi, je suis en train de triper tout seul. Mais c'est du génie. Les artistes sont des branleurs, voilà. Le jeu vient de nous dire ça, clairement. Non, mais si tu bosses... tu pourras plus peindre. Voilà. Bon, même si peindre c'est bosser, mais enfin bon. Je veux dire, travailler un petit peu de terre dans une journée, non. Perdre l'inspiration. Hi there. Allez, c'est le shérif. Au revoir. Salut, shérif. Oh, pétard. Oh, j'ai bien rigolé alors, ça se couille. Tes vêtements chauds. S'il vous plaît. Well, well, well. Consulter les marchandises, 80, j'ai... Au revoir madame. Ça fait plaisir. Salut Forgelol. Consulter les marchandises, tu vas vendre des trucs. Tyrolienne, l'outil parfait pour descendre rapidement le long d'un filin. Non. Mais on peut pas monter en haut des... Je sais pas. Attendez. Ah et la bouillot, la théière quoi. Préparer du thé où que vous soyez avec des herbes et une source de chaleur adéquate pour comme un feu ou cuisinière. Oh, il faut 90 balles hein. Mais c'est trop bien par contre. Just because I'm an owl folk doesn't mean I can't control myself around copious amounts of fresh fish. T'es tenté hein. Ce blanc. Okay, sometimes I eat some of the stock, but it's my shop after all. D'accord. Ah, on peut lui vendre du poisson. Mais j'ai pas de canne à pêche. D'accord. Et je suppose qu'on peut t'en acheter éventuellement. Consulter les marchandises. En plus, 40 balles la canne à pêche. Ah non, mais là, je retourne bosser dans le champ. Hein. Ah si j'annonce, hein. Toi aussi tu vends encore des trucs. Oh, il y a encore un mec qui vend des trucs. Toi aussi tu vends des trucs. Oh, il vend des vélos, des bicyclettes. Allez. Le niveau d'inspiration va chuter, j'annonce. Bien que, attendez, ce qu'on pourrait faire aussi pour éviter d'avoir de gaspiller trop de mon niveau d'inspiration, c'est aller voir la vieille chouette maintenant avec mon portfolio. Puisque normalement j'ai 3 peintures dedans. J'ai un tableau qui traîne sur moi, qui était du coup un tableau en trop, et les deux tableaux de ma. Des dernières volontés de ma mère. Enfin, de la mère du personnage. Donc, normalement, on est bon, on est bien, on est valide. Ok. Et normalement. Ça, c'est pas toi. Bien que l'autre, faudrait que j'aille la voir, parce que j'ai pas plus d'infos sur son. Non, c'est pas toi non plus. Désolé, madame. A fine. Did you by chance pick me up one of those? Oui, wonderful. Now I can run some tests. Why don't you come back in about an hour and I'll fill you in on my findings. D'accord. Ah, j'ai récupéré des thunes pour son élixir de Nulos. Bien. On a récupéré quelques sous. Ça, c'est pratique. Là, je me gourde de porte. Là, c'est la boîte en bois. La boîte en bois. Voilà, ça, c'est l'autre idiote. Ok, ça marche. Red? Oh, yes, just a touch of orange. Oh, hello there. I must have left the door unlocked again. Can I help you? Voulez-vous consulter mon portfolio? All right. Let's see what you've got. Montre les peintures. Well, these look fantastic. So much detail and what accurate depictions.
You've got some skill here. I spent years honing my skill, sharing my work with the people of Nava. But these days, I'm no longer interested in realism. I love the life flowing through abstract art. Unfortunately, there's not much interest for that style right now. Je comprends. I know it's hard to understand. You realists are also focused on accuracy of sight, that you miss the accuracy of the heart. Anyway, I won't try to convince you. Anyway, your portfolio is exactly the kind of thing my customers love. How about this? I'm going to shut down my commissions. They've been leaving me uninspired this past year anyway. I'll pass on any new requests to you. Then I can really focus my time on these spots and blobs. Okay, I'll tell Art Dealer the situation. Our customers write down their requests in a ledger back in the gallery. Take a look through and see if there are any requests you'd like to paint. Bah très bien. Bah voilà comment faire des thunes un peu. Voilà, on va faire quelques sous-sous. Sans gaspiller, j'ai envie de dire, notre inspiration. Parce que bon, j'avais quand même une inspi à 12. Oh, traverser cette rambarde. Donc, bon deal. Donc oui, effectivement, du coup, ce qui est rigolo, c'est que le travail à la ferme n'est pas sans conséquences, en fait. Genre, travailler de tes vraies mains, c'est pas bon pour ce que t'as, quoi. T'es rigolo. C'est rigolo parce que je l'aurais peut-être pas fait sur la première session de travail, mais je l'aurais peut-être fait sur le. Bah, il est où ton livre? Attends, faut peut-être que je te parle. So, sounds like you've managed to impress the great Yevany. I thought you might. Your work is excellent and just the style our clients are looking for. We've got a whole bunch of commissions just waiting around. We keep them all in a ledger at the back. Take a look and see if you're up for any of them. When you finish a commission, just bring it back to me. I'll ensure you get paid and that the client gets the artwork. We're glad to have you join the gallery. Très bien. Donc, livre des commandes. Une bête poule. Ma fille trouve que les poules sont kitsch. Mais vous savez quoi, moi j'adore les poules. Je me fiche de ce qui est à la mode ou de ce qui ne l'est pas. Les poules sont adorables, j'aimerais bien un tableau. Un moulin à eau. Si je pouvais contempler un moulin à eau tous les jours dans mon salon, je ne vois pas ce qui pourrait encore me rendre triste. Alors c'est sûr, je pourrais aller faire un tour au sud de Nava pour en voir. Il y en a au sud. Je le prends, c'est à côté. Un portrait du désespoir. J'aurais besoin d'une représentation d'un individu infiniment triste. Sa posture devrait dégager une mélancolie suffisamment profonde pour émouvoir même les plus endurcis d'entre nous. Est-ce que je connais un personnage triste? Oh, j'en ai peut-être un. Une maison en torchis à la campagne. Ces petites maisons en torchis sont vraiment ravissantes. Je voudrais un tableau d'une jolie maison toute seule dans la campagne. Ok. Accepter des commandes, vous voulez consulter. Ok, d'accord, très bien. Pas de soucis. Je sais qu'il y a plein de marchands à voir, mais attends, j'ai des sous un peu là où je suis fauché. Ça se passe comment? 31 thunes. Alors, 31 thunes, je vais récupérer déjà la théière. Déjà, je récupère la théière. Attends, on a pris beaucoup de quêtes là. Good day. Trop chaud. Consulter les marchandises. Déjà, je vais te prendre la théière. Merci. Maintenant, j'ai ma petite théière. Le sommet du désespoir, moi je trouve que t'as une bonne tête à être le sommet du désespoir. Un petit tableau. Là, comme ça, un peu de nuit, un portrait du désespoir. Et voilà, le jeu qui reconnaît automatiquement le bon trait, quoi. Avec une lumière qui pique les yeux, magnifique. Alors déjà, je vais lui rapporter le portrait du désespoir, monsieur. Welcome, c'est bouclé. Back. We've got plenty more patrons interested in your work. Rendre des commandes. Voilà. Voilà. They're la bonne journée, so monsieur. Ça me fait plaisir de vous aider.
Bon, alors ensuite, on avait quoi? Ah si, on avait une poule aussi. Eh, les poulets. Ah, les poulets. Est-ce que je peux avoir un super poulet un peu posé, quand même? Un poulet ultra posé. Non, on a que les poules qui traînent au milieu, là. Non, je vais aller voir vite fait derrière, quand même, si on n'a pas une poule un peu posée. Non, on essaie de bien faire les choses. Parce que on s'en fiche, vraiment, je pourrais peindre n'importe quoi, en vrai. Mais si je peux avoir la petite poule posée, genre sur un petit truc de paille, tu vois, on est bien. On est bien. Donc là, il y a du poule-poule. Ouais, par contre, en termes de luminosité, c'est une catastrophe, là. C'est l'éclipse du matin, là, c'est quoi? Moi, si c'est ça, je vais faire une sieste vite fait et on a de la lumière, quoi. Ah, ça a l'air d'être une éclipse. Voilà, au moins de la luminosité. Fais une sieste vite fait, ça va, on est une artiste, on a le droit, hein. La drogue, la fainéantise, tout ça, c'est autorisé, c'est légal. Voilà. Il n'y a pas de problème. Allez. Allons peindre cette poule. Ça fera faire un peu de sous-sous. Ce qui est vaguement rentable, hein, quand même. Hein, parce que je rappelle que la toile coûte 5, le tableau on te le paye 10, mais bon. Heureusement qu'on paye pas la peinture, sinon le niveau de rentabilité serait quand même pas dingue. Poulet? Où les poulets? Et voilà, la poule au pot c'est fait. Cool. Alors la poule c'est fait, on va la rendre tout de suite, hein. J'encaisse les sous. Hein. Quoique, je crois que ça suffira pas. Hein. 41, faut 90. C'est quoi les deux autres contrats? Ah, romance de marché. Ça. Il y en avait une qu'il fallait que je revienne voir dans une heure. Attendez, parce qu'on boucle des quêtes. Hein. Non, mais là on est chaud. Là, je sais pas si vous avez vu, d'un seul coup ça s'est transformé en speedrun de quête. C'est complètement dingue. Par contre, je vois plus où je peux consulter mes fameuses quêtes. Je sais que j'ai un moulin à. Welcome back. Et une petite maisonnette. We've got plenty more patrons interested in your work. Voilà, c'est remis. 15 balles la poule. Ugh, some people. So tacky. Ah quoi? Les gens ont le droit de kiffer juste une poule? Oh, le gars qui juge, quoi. Ah, les gens, ils font vraiment peindre pour... Eh, pour 15 balles, mec. 15 balles. Ah va, c'est pas non plus le prix d'une théière. La théière coûte plus cher que ma toile. S'il te plaît. S'ils ont envie d'avoir un petit tableau du poule parce que c'est mignon, c'est rigolo, et c'est bien gras, et c'est tout rond, et c'est rigolo. Voilà. Joseph, hein. Moi, je peux comprendre, c'est rigolo. I do love working here in the university, even though my senior professor Esma can be a bit eccentric at times. Well, I've run some tests. Unfortunately, my findings are inconclusive. The solution seems to be mixed with so many things I can't get a clear reading of its composition. I've been thinking. Melek claims the life-giving ingredient in his potions is water from the local hot springs. I know it's a big ask, but I'm wondering if you're interested in collecting water samples from each of the 5 hot springs of Eastshade. Then we can really answer this question once and for all. No more tricks, no more overpriced traps. What do you say? Fantastic! Take these empty vials. The collection should be fairly straightforward. Finding the 5 hot springs will be the hard part.
They're in all corners of the island, and some are rather tucked away. Ok. Y en a une, je sais où est-ce qu'elle est. Puisqu'on y a passé une partie de la nuit. Rappelez-vous, avec notre ami le musicien. J'avais oublié que c'est vrai aussi que notre ami d'autres musiciens nous rendait de l'inspiration gratuitement. C'est vrai que du coup, perdre à la ferme un peu de... perdre un peu de... Enfin, perdre pas d'ailleurs, pas qu'un peu, parce que, par contre on en perd beaucoup. Beaucoup d'inspiration finalement, c'est pas si grave que ça. Puisque y a notre musicien qui nous en rend. Donc on va se faire une petite session Farming Simulator. Vous êtes tous très fans. Par contre, il n'y a pas de tracteur, il n'y a rien. C'est un jeu où uniquement on te met des écrans noirs à chaque fois que tu dis oui, je veux faire des récoltes. Écran noir. Gros jeu. Gros jeu. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Un gros jeu. It's amazing. Ça prend 10 semaines, it's amazing. Ah oui, donc si jamais un jour je suis de l'autre côté avec la tyrolienne, en fait je pourrais prendre cette tour et on est à Nava. Ah, pas mal. Howdy. Ouais, je voudrais travailler. Say, I really appreciate j'adore le work boulot. You've been doing around j'aime here. L'argent. Ah, ça chute bien quand même, hein. Ça prend un niveau pour 10 balles. Howdy. Fantastic. I'll show you what needs to be done. It's not too complicated. Howdy. Need a few more glowstones, eh? Well, that's great news for me. Ok, il faut que j'atteigne, je sais plus combien, 70 balles. 80, on est à 86, normalement on est bon. On est bon pour aller acheter la tyrolienne qui était, je crois, à 70. Bon, il me restera quelques sous supplémentaires. Normalement, on a enfin les vêtements chauds. Ce qui nous facilite grandement la vie. Pourquoi je monte ici? Pourquoi pas? Visiblement, ça doit être un gros style. Hop, 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 hop. Et on sait qu'il nous restera encore plein de choses à acheter. Donc tant qu'à faire, il faudra que je revienne. Il faut que je mette fin à cette vidéo parce qu'elle va être trop longue. Mais il faudra effectivement que je revienne acheter, voir les autres commerçants qui achetaient des choses. Parce que, ah oui, il y a la canne à pêche aussi qui a acheté. La canne à pêche. J'ai pas acheté la canne à pêche. La canne à pêche tout de suite. Non, la canne à pêche tout de suite. Parce qu'en plus, la canne à pêche, c'est rentable de l'acheter. Consulter les marchandises, je voudrais t'acheter une canne à pêche. Merci. Genre, je peux en acheter plusieurs. Très bizarre. Ça suffira. Je vous remercie. Bah écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo. Hein. Donc, moi, ça sera tournage tout de suite après. Vous, ce sera dans 48 heures. Donc, des bisous. C'était Knarfunk sur Comme d'habitude Gaming pour Ishade. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.